J'ai fait un petit tram. Hello, alors je vous parle depuis mon lit, je fais une petite pause dans la fabrication de ma maquette pour regarder un peu par la fenêtre parce qu'il fait beau. Je vais pas tarder à ressortir faire deux courses aussi je pense. Mais j'avais pas encore parlé dans cette vidéo, du coup je voulais un peu pop-up ici pour vous expliquer un peu ce que je fais pendant les 10 prochains jours. Techniquement, à partir de mardi, donc on est actuellement samedi, à partir de mardi, on est en intensif projet pour le dernier projet du S3. Mais en fait, ce week-end, donc c'est quasiment la seule chose que j'ai à faire. Enfin, il faut quand même que je révise pour un partiel de structure qu'on a dans 15 jours. Et j'ai un devoir d'histoire à rendre aussi dans un peu moins de 10 jours maintenant. Mais grosso modo, voilà, c'est un peu ma priorité là jusqu'au 30 janvier. Parce que le rendu est le 30 janvier. C'est de bosser sur ce rendu qui est donc le dernier rendu du semestre. Dernier rendu intermédiaire ce mardi, j'ai eu la chance de pouvoir passer en correction avec les profs, donc j'ai eu des retours pour pouvoir un peu rentrer dans cette dernière phase de projet en sachant vraiment dans quelle direction aller. Je travaille sur la maquette donc tout ce week-end plus lundi soir, et ensuite comme ça mardi matin je vais prendre la matinée pour reposer un petit peu mes mains et faire tout ce qui est donc calculer le layout de mes planches et avancer un maximum sur mon devoir d'histoire. Je l'ai un peu commencé hier mais j'ai pas beaucoup avancé. Et ensuite à partir de mardi après-midi je me mets sur mes planches, et dans l'idéal j'aimerais avoir fait le gros des planches vendredi soir pour que ce week-end je puisse me pencher un peu plus en détail sur les planches qu'il faut faire pour la structure. Et là on a donc une parcelle qui fait 1500 m² sur laquelle on doit avoir donc 500 m² qui sont couverts, fermés, 500 m² de couverts mais ouverts cette fois-ci. Et ensuite du coup il y a les 500 m² qui restent, qui sont là vraiment juste une place publique. C'est l'heure de cuisiner. Je commence à avoir faim, il va être bientôt 20h, il est 20h-10. Donc je vais commencer à faire mon repas. Never end when the world
stressing me. Try to see these little things, and across my mind run the reasons why it's a blessing just to be. Ce matin, j'ai pris les choses un peu plus tranquillement finalement parce que je me suis retrouvée à me coucher à 2h hier pour finir ce que je voulais faire sur la maquette. Donc ce matin, j'ai dormi un petit peu, ensuite j'ai rangé, j'ai préparé un crumble pour la semaine. Mon mur, bon là il y a les peintes dessus pour que ça colle bien, mais j'ai un mur qui va emporter ma toiture en fait à l'extrémité du terrain. J'ai pu finir la dernière cloison de ma maquette et donc maintenant je vais m'attaquer à faire ma poutre treillis que j'ai dessinée à l'échelle déjà, mais maintenant il faut que je coupe tous les morceaux de balsa. Je pense que ça va me prendre du temps. Et après, je m'attaquerai du coup à faire les caissons parce que du coup ma structure qui porte la dalle de plancher, c'est un système de caissons. Just be. Ça va être vraiment super. Hello, alors je vous reparle pas mal plus tard parce qu'il va être 4h20 bientôt. J'ai fini ma première poutre treillis, il manque juste la travée là qui est au milieu. La poutre ressemble à ça, j'ai la deuxième à faire maintenant, celle-là c'était la plus courte. Donc j'ai fini de fabriquer mes poutres, ça m'a pris vraiment toute la journée finalement. Mais c'est bon, c'est une bonne chose de fait. Là je m'apprête à préparer ma semaine, mais vraiment très vite fait. Fini pour aujourd'hui, je me suis occupée du coup de faire la charpente qui est là. Et après donc demain je vais m'occuper donc de cette même charpente qui vient ici et sur toute la partie extérieure là. Et j'ai toujours mes poutres qui ont cette fois-ci bien pris, bien collé, donc c'est tout bon. Demain j'ai cours de 9 à 11, de 11 à 13 et de 15 à 18. Alors c'est un peu sombre, je suis désolée, mais j'ai récupéré mon t-shirt de sport de l'école, du coup j'ai fait mettre mon nom derrière et c'est juste parce que c'est mon jour de naissance. Hello, donc je reviens vous parler, il est maintenant lundi soir, j'ai eu mon TD cet après-midi, franchement c'était pas génial, je pense qu'on est un peu tous tendus par rapport au rendu, ce qui fait qu'on n'était pas forcément dans les meilleures dispositions pour travailler. Du coup là je suis rentrée, habituellement le lundi soir je vais courir avec l'école, mais là aujourd'hui je vais pas y aller, mais je suis un peu dans un coup de mou, donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit workout mais ici, parce qu'en plus j'ai pas forcément envie de faire quelque chose de très intense, alors que quand je vais à la course je sais que c'est un entraînement intense et il y a des jours où c'est ce dont j'ai envie, mais aujourd'hui j'ai pas du tout envie de ça. Coller ma partie de charpente pour le toit qui est un petit peu plus bas. Thank you.
ma toiture qui est en train de finir de coller. Donc j'ai mes deux poutres. Ok, donc c'est bon, j'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux, etc. J'ai préparé mon repas, il est en train de cuire. Et là du coup je vais me mettre à la mise en page de mes planches. Donc je vais revoir le sujet pour être sûre que j'ai bien en tête tous les éléments qu'il faut pour chacune des planches. M'occuper des coupes, pareil, tout faire au crayon, etc. Et puis comme ça, une fois que j'aurai fait ça, même s'il fait plus sombre, c'est pas grave, je pourrai repasser au stylo. Une fois que j'aurai tracé mes coupes, je pourrai commencer à faire le détail à l'intérieur des murs, etc., à faire mes pointillés de la trame. Et puis ce sera déjà pas mal pour aujourd'hui. J'aimerais bien avoir fini vraiment la planche des plans à 100%, puis celle des coupes, si j'ai déjà tracé au crayon et pas repassé au feutre, c'est pas grave. Ok, donc j'ai enfin fini de tracer mon plan au crayon. Je sais pas si on voit grand chose.